direction du pont, je croise un couple en train de se pogner une chicane. Non, 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 tu vas pas faire ça! Chérie, s'il te plaît, qu'est-ce que je fais? Non, tu sais exactement ce que t'as fait. Tu t'es avec des amis, puis tu m'ignores. Chérie, chill, là. Attention, il y a tout le monde autour. Fait que, qu'est-ce que je vais faire? Un tonton? Ben non, mais tu peux te présenter mes amis. C'est quoi ça? Tu me prends pour qui? Ta bonne? Je crisse mon cœur, petite. C'est poche. Je connais ça, les relations de couple. Je suis passé par là, tu sais. Je me demande même pourquoi ça a marché. Quand on rencontre quelqu'un, c'est tout comme moi. Oh my God, OMG. Les premières baisses, c'est... Tout est basé sur les performances. C'est tout les... Il n'y a pas énormément de connexion, mais Chris, tu fous pour bien impressionner l'autre. Puis arrive la troisième ou quatrième baisse, où on se retrouve tous les deux face à face sur l'oreiller, et tu y lances. Fait que, as-tu des frères et des sœurs, toi? À partir de là, tout tombe à l'eau. Le plus qu'on apprend à connaître quelqu'un, moins on l'aime. C'est à ce moment-là que tout le mystère s'évapore. C'est à chacun de se faire sa propre idée là-dessus. On veut pas se retrouver avec quelqu'un, un pot de colle, aime-moi! Mais de l'autre côté, on veut pas non plus se retrouver avec quelqu'un qui est toujours parti ou sur son téléphone en train de texter à tout bout de champ. Là, je pense qu'on vient complètement de sortir du bord. On en revient à nos moutons, OK? Musique!